Bonjour à tous et à toutes, nous sommes pour une vidéo de l'épisode 2. L'épisode 2, attendez 2 secondes, je baisse un truc avant, je mets le chronomètre. Et c'est parti pour 12 minutes ensemble pour l'épisode 2. Je vais essayer de parler moins fort parce que le micro il grésille un petit peu. Je sais pas si vous l'entendez sur l'épisode 1. Donc voilà, j'espère que ça grésille pas trop et que vous aimez un peu que ça fasse ça. Bon, c'est pas grave, mais bon, voilà. Donc il y a plus de fluidité, comme vous avez vu, j'ai mis 60 fps. Il y a un truc en fait que je comprenais pas pourquoi elle faisait 5 go. Et ben, je viens de le découvrir. En fait, faut le mettre dans Movie Marker et ça vous met plus que 200 mots. Donc vous imaginez le truc comme c'est vraiment. Voilà quoi, ça. Il y en a beaucoup moins quoi, c'est énorme. Franchement, je viens de découvrir aujourd'hui ça. Car en mode libre comme ça, tout seul, ça vous prend mais énormément de mots et tout. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de le passer dans Movie Marker pour avoir moins de mots, quoi. Moins de go et moins de mots, pareil. Donc allez, go. Pour cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester dans la nuit, hein, mais faudra faire gaffe quand même s'il y a des trucs, des bestioles et tout. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire déjà une pioche en bois, voilà. Une pioche en bois, on se repère des bâtons, regardez, c'est tout un français, c'est super ça, ça c'est le truc que j'attendais aussi énormément, c'est ça, donc je vais me faire, je voulais faire quoi, une pelle, voilà, une pelle, et là on va aller en fait dessous la terre en fait, on va aller dessous la terre pour aller chercher du coal, qu'est-ce que je raconte, de la cobble, voilà, oh putain de merde. Excusez-moi, je dis un gros mot. J'aurais pas dû. Ok, d'accord. Oh, encore bien. C'est encore mieux, ça. Une petite... Ok, on pourrait faire peut-être un deuxième étage. Oh, putain, c'est ça. C'est de mieux en mieux, là. C'est parfait. En plus, avec du koal qu'on pourrait éclairer un peu de partout, toute la montagne, pour qu'il n'y ait aucun zombie qui respawn. Ça va être sympa de faire ça. Donc, c'est plutôt bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous aimez un peu les épisodes que j'ai repris. Repris les épisodes. Moi franchement je suis heureux hein, d'avoir repris. J'ai eu plus la motivation. Je vais pas vous dire pourquoi j'ai eu plus la motivation. Ça va vous sembler un peu bizarre. Mais je vais pas vous le dire. Mais j'ai eu une putain de motivation d'un seul coup de faire des vidéos sur ma chaîne Monde de Jeu. Donc je l'ai fait. Et je suis plutôt content de l'avoir fait. Car elle me manquait, voilà. Il y a certains abonnés qui me mettaient des j'aime et peut-être qu'ils voulaient encore des vidéos de Minecraft. Donc je pense que, enfin j'espère que je vous ai un petit peu manqué, hein. Non je rigole, mais voilà quoi. J'espère que, oh putain je suis retombé en bas. Putain mais c'est un vrai gruyère ce machin, un vrai gruyère. Attendez, est-ce que je peux remonter? C'était juste là quoi en fait. Ouais c'est un vrai gruyère son truc. C'est un vrai gruyère. Donc en haut faudra bien reboucher. Mettre au moins une deuxième couche. Si je veux faire après des plantations. Et si on veut faire après des... voilà après on fera un petit camp de canne à pêche en bas. Là j'ai plein de trucs à... Plein de trucs. Là on pourra faire un pont qui relie l'autre montagne à celle-là. Pour que de l'autre côté on fasse je sais pas un truc ensemble. Une piscine ou je sais pas, n'importe quoi, comme vous voulez. Bon, déjà que je trouve les accessoires, mais après, voilà quoi. Donc là, vous voyez, j'ai rien fait. Donc ensuite, nous allons faire... Déjà, on va reboucher le trou et ensuite, voilà, on va faire ça, une pelle en pierre. Donc c'est ce que je cherchais, parce que le bois, et ça se casse trop, en fait. Attendez deux secondes, je mets mon fil là. Le bois se casse trop, donc je vais reboucher ça, voilà. Et là, on va tout aplatir. Déjà, je vais utiliser ma pelle en bois, j'ai envie de l'utiliser au maximum. Et ensuite, on ira recouper du bois à la levée du jour. On va recouper du bois. Et puis, on verra avec les minutes qui me suivent. Parce que là, je sais même pas si j'atteindrai le jour. Enfin, j'espère bien au moins prendre le jour. Parce qu'il me reste pas mal de minutes. Mais je sais pas. Si je peux faire plus, je le fais. Si je peux faire moins, je le fais aussi. Mais je pense le faire plus, pas moins. Donc, voilà. Donc, maintenant que j'ai découvert cette astuce. Alors là, en fait, je suis allé carrément sur Internet et aller chercher et tout. En fait c'était tout simple, hein. Fallait mettre WMV la vidéo et ça me mettait moins de mots, voilà c'est tout. Dans Movie Marker, c'était super, je suis super content d'avoir résolu ce problème déjà. Ce problème de capture là, parce que ça me bouffait complètement. Puis là j'ai mis en 60 fps parce que je me suis dit tiens 50, comme j'avais mis 30 fps en full size, ça le faisait pas trop. Ça le faisait même bien, mais ça faisait, voilà, c'était pas net, pas fluide.
Donc voilà, comme vous avez vu, c'était pas fluide. Là maintenant, ça commence à être fluide, mais complètement. Je le vois déjà. Là, ça buguait un petit peu sur la première vidéo. Mais vous inquiétez pas, hein, la première vidéo, c'était juste un test, hein, comme je vous avais dit. Le test, hein, c'est j'ai commencé l'émission et tout. Mais voilà, c'est un test pour tester les qualités un peu et tout. Hein, donc maintenant que je sais comment ça marche. Voilà, donc Movie Marker marche. Le vieux Movie Marker, tu sais, vous savez, si vous avez Movie Marker, le vieux Movie Marker. Même je sais pas si j'ai. Non, c'est bon, j'ai entendu du bruit, mais non, c'est bon. Voilà. Ça doit être le chat, non? Non, j'en sais rien. J'ai écouté. Voilà. Bon. C'est bizarre. Donc voilà, et on va casser ça. Allez, c'est parti. Je vais mettre plus comme ça. Voilà, ça va grésiller peut-être un petit peu. Mais je préfère, quoi. C'est beaucoup mieux. Ah non, j'ai compris ce que c'était en fait. C'était mon casque en fait qui faisait ce bruit. Parce que là, en fait, je m'entends derrière. C'est un peu désagréable. C'est pour ça que je vais l'enlever tout à l'heure. Mais bon, c'est pas grave. Ça m'a manqué quand même un petit peu. Je pense que certains abonnés se sont désabonnés. J'ai vu, j'avais à peu près 100, presque 100 abonnés sur cette chaîne. Là, je suis à 95, 94. J'en sais rien parce que ça se désabonne. Parce que y a des gens qui me disent, ouais, tiens, abonne-toi à ma chaîne, je m'abonne à la tienne. Mais ça sert à rien parce que vous regarderez jamais mes vidéos. Donc voilà, et moi, je les regarderai jamais les vôtres. Donc ça ne sert à rien de mettre un commentaire comme ça, ou un message plutôt. Ça sert strictement à rien. Même les pubs sur ma chaîne seront effacées. Et voilà, donc pas de pub ni rien. Pas de dire allez, venez sur ma chaîne et tout. Ça, c'est. Genre, je vous l'éclate dans la tronche. Votre pub. Et voilà. Et je vous bloque direct. Voilà, bon voilà. On va essayer de tout boucher. Là, je suis à. Ouais, c'est bon. Faut tout que je cache bien comme il faut. Hein. Faut pas que je fasse un truc moyen, mauvais et tout. Donc ça va peut-être. C'est au début, vous savez bien, c'est toujours un peu délicat, c'est toujours un peu fatigant parce qu'il n'y a pas grand-chose. Mais moi, j'aime bien. Moi, j'aime mieux le début que la fin, parce qu'à la fin, après, on a fini. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire à la fin? Je sais pas. Continuer peut-être sur cette série, je sais pas. Faut vraiment inventer, faut vraiment avoir la mémoire, hein. Car c'est vraiment dur à trouver déjà un nom, le titre pour la vidéo. Qu'est-ce qu'on va dire dans les vidéos? Oui, c'est tout un système. Il y en a certains qui prennent des papiers pour se rappeler, enfin pour dire, pour ce qu'ils vont dire. Moi, j'ai aucun papier. Je parle de ce qui me vient à la tête. Donc voilà, moi j'aime mieux faire ça, j'aime mieux faire ce style. Car il n'y a que ça qui m'apporte, même si peut-être j'ai pas beaucoup d'abonnés. Et sur cette chaîne, oui, cette chaîne m'intéresserait pour faire des abonnés. Pour avoir des abonnés. Mon autre perso, celle-là, c'est pour m'amuser complètement. Celle-là, c'est pour plutôt amuser les abonnés. Donc là, moi aussi je m'éclate, mais vous inquiétez pas. Mais voilà, je préfère vous faire à, vous, que vous vous amusez à regarder cette vidéo et que vous rigolez en ma compagnie. Enfin, je pense pas qu'on rigole bien dans mes vidéos. Je suis un peu sinistre. Je suis un peu sinistre, mais bon, c'est pas grave. J'espère que quand même je vous fais pas peur tant que ça. Donc voilà. Et que vous aimez un peu mes vidéos. Même si même vraiment si vous aimez pas trop Minecraft. Regardez pas si vous aimez pas le Minecraft. Hein, parce que ça, après ça va vous dégoûter. Vous allez dire. De toute façon, ça là, cette chaîne, ce sera que du Minecraft. Donc, pour ceux qui attendent du Battlefield ou du Call of Duty, il n'y en aura pas. Sauf si vraiment je me fais hacker ma chaîne et tout. Hein. Bon, ça arrive très souvent. Pas souvent, donc voilà. Après, on peut pas non plus savoir, mais bon. Moi, j'ai une petite technique pour retrouver après son compte et tout, mais ça, c'est ma technique. Je peux pas la donner. Après, pour certains qui auront des problèmes, ils pourront me le dire, mais voilà. Mais après, voilà quoi. Donc voilà, je vais reprendre ça. Hop là, voilà, c'est bon, c'est fait. Oh putain, creeper de merde. Ah d'accord, bah au moins ça m'a ni tout cassé, c'est bien. C'est bien, c'est bien, content, je suis content, je suis content. Non, c'est bien, c'est bien. Je suis pas mécontent là, un petit creeper qui a pété, c'est magnifique. Enfin, j'espère qu'il n'y en a pas un deuxième parce que sinon je crève. Voilà, il n'y en a pas, c'est magnifique. Le lever du jour, voilà, c'est fait. Pas aller, on va aller dans le prochain épisode aller chercher du bois. On va aller construire déjà après la base de la maison. Je sais pas quand on la construira bien la base, mais on verra bien pour l'instant. On a tout le temps devant nous, on a la vie devant nous, donc c'est bon. Je pense qu'on a assez le temps. Enfin, je pense. Donc voilà.
J'espère que vous aimez ce que je fais. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Enfin, j'espère que vous aimez tant autant que avant. J'espère que j'ai pas changé hein, comme mentalité. J'espère pas. J'espère que j'ai pas pris la grosse tête. Enfin, je pense pas, mais bon. Qu'est-ce que je vais prendre la grosse tête en jouant? Mais bon, c'est pas grave. Enfin, peut-être ceux-là qui sont partenaires, je pense qu'ils prennent un peu la grosse tête. Hein. Je pense un peu. Même sur celle-là, je suis partenaire, mais bon, voilà quoi. Ça m'intéresse pas trop. Je vais l'arrêter, le partenariat sur celle-là. Donc voilà, moi je l'aurais plus, je serais bien tranquille. Ça commence à me gaver ces trucs. Bon, même si ça fait joli le petit truc, les décorations et tout. Voilà quoi, on n'est plus des enfants. On est sérieux. Moi, perso, la loi ACTA et tout, le truc qui m'intéresse le plus, c'est d'arrêter les partenariats sur des trucs internet. Ça, je dirais oui. Au moins oui. Mais après les autres trucs, on peut pas faire de vidéo, on se prend juste des droits d'auteur, là c'est chaud quand même. Là c'est chaud. Là faut pas trop non plus exagérer sur les trucs. Mais au moins les partenariats qui n'existeraient plus, ce serait bien. Enfin si la loi passe, ça n'existe plus les partenariats. Donc toutes les pubs de tout, de tout, de tout, de tout, on pourra plus gagner aucun centime. Ce sera plutôt sympa. Au moins on travaillera vraiment pour gagner ses sous, quoi. Ce sera bien. Après certains n'ont pas la même mentalité, hein, c'est normal, hein, chacun a son avis. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus. J'en ai déjà parlé sur mon autre chaîne. De la loi ACTA. Si vous voulez aller la voir, ben allez la voir. Hein, ce sera. C'est Mister Selmac, donc après faut vous y aller. Hein, vous allez dans mes meilleures chaînes que j'adore là. Vous allez voir et puis voilà. Donc voilà. C'est fini pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. La prochaine fois, on va aller couper des arbres et puis on va commencer à construire dès que j'ai tout pété ça là. Ça commence déjà bien, on avait un bon truc, c'est pas mal. Un squelette là-bas, on va le niquer la prochaine fois. Allez, ciao les amis, ciao! Ciao!